Retour sur terre aujourd'hui après les émotions alpestres, une étape de transition qui peut souvent réserver des surprises en troisième semaine de Tour de France. 185 km entre Moutier et Bourg-en-Bresse, les coureurs remontent vers Paris depuis la Savoie vers le département de l'Ain. Pas de difficulté majeure, juste la possibilité pour les équipes de sprinteurs de contrôler la course et laisser quelques téméraires se faire les jambes avant un sprint massif qui semble inéluctable tant ils n'ont pas été légion sur cette édition. Un seul homme a tout raflé pour le moment, Jasper Philipsen vise la passe de 5. Un seul homme a fait mieux récemment dans le passé, c'était Mark Cavendish avec 6 succès en 2009.